Alors là, on a le monde d'Harry Potter. Donc j'ai déjà tout vu, je me suis fait spoiler comme une merde. Mais alors là, j'arrive dans le monde des Simpsons, les gars. Attention, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Oh non, mais regardez-moi ça. Bon, c'est beaucoup plus petit qu'à Orlando, mais c'est déjà énorme. Oh non. Oh my god. They just started playing. Wait a second. Oh. And that's why you can take a look to the right. Do you see that big shark fin in the water? I think they caught the wrong shark. Et du coup, là maintenant, je vais faire. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. On est le 6ème jour aux États-Unis. Voilà, ça passe déjà très 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 vite. J'ai l'impression d'être arrivé hier. C'est un truc de dingue. Donc voilà, alors aujourd'hui en fait, programme de la journée, je vais, alors c'est un big rêve aussi également qui se réalise là. Je vais à Universal Studios, et donc de Hollywood, et j'ai visité du coup Universal Studios toute la journée, j'ai fait les attractions. Bon, malheureusement, je suis tout seul, mais bon, c'est pas grave, hein. Ok, je ne pouvais pas venir ici sans aller à Universal Studios et à Disneyland. Rendez-vous dans le prochain vlog, je pense pas que je vais en faire... Ouais, rendez-vous dans le prochain vlog, du coup. Et voilà, du coup, j'ai qu'une hâte, c'est de vous emmener avec moi et de vous filmer tout ça aujourd'hui. Je vais principalement faire l'attraction Jurassic World, j'ai mon petit t-shirt, et l'attraction des Simpsons, surtout. Genre, je crois que je vais arriver là-bas, je vais faire une prière devant le truc, enfin... J'ai des petits frissons, là, je réalise même pas, donc je pense que je vais réaliser en arrivant. Donc voilà, du coup c'est parti pour 2 jours de parc d'attractions. Donc du coup Universal aujourd'hui, Disney demain, et après je pars à San Francisco. Je dois encore faire toute ma valise, c'est un gros bordel. Et voilà, pour ce qui est de San Francisco, je pense que vous n'aurez peut-être qu'un vlog, je pense, parce que je vais peut-être pas filmer autant qu'ici, je sais pas encore. Je verrai. Et voilà. Voilà. Du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est parti pour Universal Studio. Bon, là je suis au Universal City Walk. En fait, c'est là où il y a tous les magasins. C'est ici qu'on entre en fait, qu'on passe pour aller à l'entrée du parc. Parce que j'ai pris un Uber et il m'a déposé là. Et en fait, là je suis en train de. Je suis pas en train de réaliser, c'est un truc de fou. Oh là là. Là vous avez le Hard Rock Café avec la grosse guitare. Là il y a le cinéma d'Universal. Et voilà, tout ça c'est le City Walk en fait. Et l'entrée là, il y a King Kong qui m'attend. Oh putain, regardez les gars, c'est trop beau. Je suis en train de réaliser un rêve. Oh là, il y a un Taco Bell. Oh putain. Ah mais il faut que je mange le mexicain que j'ai chez moi, donc je pense que je vais y aller. Mais j'ai même toujours pas goûté Taco Bell, c'est urgent là. Regardez les gars, là-bas au loin. Putain, j'arrive même plus à parler, je suis tellement choqué, j'ai plus de voix. Regardez là-bas, il y a la... Putain, il y a la boule universelle, vous savez, la petite tour qui tourne là où tout le monde fait des photos, putain. Je galère pas du tout avec mon sac, mais la photo devant la boule, ça y est, c'est fait. La boule, la terre, je sais pas comment les gens ils appellent ça. Oh là 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 là, le tapis bleu, je suis entré juste devant moi. Tout cet accueil pour moi, c'est... Merci beaucoup. Regardez, oh my god. Oh, I'm crying. Alors là on a le monde d'Harry Potter, donc j'ai déjà tout vu, je me suis fait spoiler comme une merde, mais alors là j'arrive dans le monde des Simpsons les gars. Attention, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Oh non, mais regardez-moi ça. Bon, c'est beaucoup plus petit qu'à Orlando, mais c'est déjà énorme. Oh non, oh my god.
Oh non. Oh putain de sa mère. Oh non, regardez, elle donne du donut là. Ça c'est l'école de Springfield, le Krusty Burger. Non mais je suis pas bien là. Ça c'est les fameuses grosses glaces qu'Homer il adore manger. Ça c'est la pizzeria Luigi avec les pizzerias qui sont immangeables. Oh là là. Attendez, faut que je fasse des stories là, je suis en mode story et tout. Parce que en fait pour aller à Jurassic Park, j'ai pas le choix, j'étais obligé de me spoiler avant. Ouais, je fais une story. Donc si on entendait faire le générique des Simpsons, c'est normal. Ah putain. Donc là j'ai emprunté les fameux escalators, les fameux passages couverts comme ça d'Universal, assez connus. Regardez la vue qu'on a sur LA les gars. Putain c'est trop beau. Et je vais au rail. Putain les gars ils ont construit le parc sur une colline, wesh. Mais what? Mais c'est trop bien. C'est beaucoup mieux que dans les vlogs, oh my god. C'est parti pour se faire bouffer par des dinos. Bon, il y a 110 minutes d'attente les gars, genre 110. Et la single rider est fermée, donc du coup je pense que je vais me rabattre sur les Simpsons maintenant. Et je reviendrai tout à l'heure pour voir si la single rider est ouverte. Sinon bah, je ferai les 100 minutes parce que c'est la première fois que je viens ici. Je suis obligé de faire ça, genre vraiment, je viens pas tous les jours. Donc au pire tant pis, mais ouais je suis un peu dégoûté qu'elle ferme pour l'instant. Ils sont chiants, ils font comme à Disney, genre ils se cassent les couilles à fermer tout le temps les single riders en mode oh les single riders c'est le cancer, enfin bref. Bon bah c'est pas grave, on va faire les Simpsons alors. Bon allez c'est parti les gars. Oh clairement je vais décéder. Oh là là. Oh putain les gars, ça y est mon rêve est réalisé, j'ai fait l'attraction des Simpsons. Et c'est dément, genre vraiment. Genre c'est... Ah je m'attendais pas à ça, ça fait un gros choc. Bon bref, je vais retourner à Jurassic World pour voir si la single rider est ouverte. Mais je suis déjà complètement mort, j'arrive même pas à parler. Alors vu l'état de ma tête et de mon corps, je vous laisse imaginer comment ça mouillait à l'intérieur. Je suis... Regardez, non mais la descente les gars, la descente. Bon là en fait on voit rien parce qu'on n'est pas trop mouillé dans ce coin. Mais par contre les gars, à l'intérieur, mais on vous balance des seaux d'eau, wesh. C'était affreux, mais c'était dément. Et le dinosaure et tout à la fin. Bon, je vous ai spoilé, hein, mais putain. Par contre, je suis grave dégoûté parce que j'ai pris une photo. J'ai acheté la photo. Et en fait, pour 16$, j'avais pas compris. J'achète la photo et j'ouvre et je fais what? Et en fait, j'ai une photo au format photomaton, vous voyez, genre ces quatre petites photos, genre. Du coup, j'étais grave dégoûté, j'ai fait, mais c'est quoi ça? C'est nul! Du coup, voilà, je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est un format numérisé, je vais regarder, mais c'est vraiment genre nul à chier. Donc voilà, je viens de me faire arnaquer, je viens de payer 16$ pour rien. Mais bon, c'est pas grave, je vais aller faire la momie. Et après, je pense que je vais aller au monde Harry Potter où je vais aller manger, mais oh les gars. Je viens de vivre le plus gros rêve de ma vie là, clairement, parce que j'adore, mais... Bon, ça y est, j'ai fait la momie, donc ça se situe là-bas. Et en fait, c'est une montagne russe, donc un roller coaster qui part en avant. Et à un moment, on arrive et ça repart en arrière, les gars. Et genre, en fait, il y a un truc qui nous chatouille à nos pieds. On se prend de l'eau dans la gueule, genre, c'est vraiment, genre, flippant. Et je m'attendais pas à un départ assez intense, mais en vrai, franchement, c'était cool, c'était assez fluide et tout, c'était plutôt sympa. Le truc pour l'instant que j'ai trouvé le plus intense, je crois que c'est Jurassic World, franchement. Waouh, waouh. Et même les Simpsons, c'était flippant, mais ça. Non, mais ça, les gars. Bref, là, je vais pas manger maintenant parce qu'il est que 13h et qu'il va y avoir la queue partout. Je pense que j'ai mangé plutôt pour 14-15h. Et ensuite, je vais continuer j'aimerais bien tenter Harry Potter parce qu'Harry Potter, apparemment, il est oufissime. Enfin, il fall, c'est le truc ici et Jurassic World, c'est les trucs à faire. Mais je le ferai que s'il y a une single rider parce qu'il y a 140 minutes d'attente les gars. Donc c'est pas possible. Et ensuite je pense que je vais faire les Minions aussi. Moi chez Méchant j'aime bien. Je fais vraiment les univers que je kiffe parce que je me dis que comme ça si j'aurais tout fait après je peux refaire. Ou au pire je peux partir du parc. Mais est-ce que je veux pas partir trop tôt non plus quoi. Mais je vais pas rester trop longtemps pour essayer d'aller profiter après sur LA. Peut-être aller me baigner ou quoi. Mais voilà. Mais pour l'instant c'est un truc de dingue franchement. Regardez les gars, plus de l'or. Bon, je suis pas un grand fan d'Harry Potter, mais j'aime quand même beaucoup l'univers. Surtout que c'est très britannique, donc forcément j'aime un minimum. Et regardez, ils sont tous là avec leurs baguettes qui bougent et tout. Oh, je veux décéder.
J'ai envie d'acheter une carte du... Pardon, sorry. J'ai envie d'acheter une carte du maraudeur, mais je sens que je vais dépenser je sais pas combien d'argent, donc je préfère éviter. Ah ouais. Ah là là là, c'est trop beau. Je pense qu'à Orlando, ça doit être quand même mieux. Mais je vais arrêter d'abuser et de me plaindre, alors franchement, je vais dire que c'est bon. Parce que je le pense vraiment en plus. These contests are not for the faint hearted. Now, please join me, ladies and gentlemen, in welcoming the beautiful ladies from the Bobatons Academy of Magic. Oops. Regardez les gars, c'est le Poudlard Express. Oh, c'est trop beau. Je suis en train de faire 3000 photos depuis tout à l'heure. Et c'est blindé de monde. C'est trop beau. Bon, je suis rentré chez Ollivander's pour les baguettes. Il y avait tout le rayon avec toutes les baguettes. Bon, je vous ai pas filmé parce que je prenais des stories, je faisais déjà des photos et je voulais pas trop filmer parce qu'il y avait vraiment trop de monde. Mais c'était trop bien. Et par contre, je connais pas le prix, c'était pas indiqué. Mais j'ai peur que ça soit trop cher. J'hésite à en prendre une parce que je veux pas acheter d'objets qui me serviront pas ou qui vont traîner sur une étagère. Je préfère acheter genre des mugs ou des porte-clés ou des choses que je vais voir souvent en tout cas. Et voilà, et je cherche aussi à offrir parce que j'ai des potes qui sont archi fans d'Harry Potter, mais je ne sais pas quoi offrir, donc c'est la merde. Bref, bon, je pense que je vais aller faire le je sais pas comment ils l'appellent, c'est The Harry Potter Ride, je crois. Bref, le truc, vous savez, où survolez Poudlard, c'est là-dedans. Et le seul souci, c'est que je le fais que s'il y a single rider, parce que s'il n'y a pas la single rider, j'y vais pas, parce que clairement il y a 140 minutes d'attente. Non. Bon, ça y est, c'est fait. Alors les gars, il y a juste un moment où j'ai flippé, mais vous pouvez pas... Oh, il y a la voiture de Ron. Ah, mais elle est dans la file d'attente, du coup je peux pas la prendre en photo, c'est triste. Je l'ai fait en single rider, ça m'a genre pris quoi, allez, 5 minutes, donc déjà trop bien. Et sinon, par contre, il y a un moment avec des araignées, genre les araignées dans Harry Potter, mais genre énormes, genre vraiment, elles sont tout près de vous et c'est horrible, genre vraiment. Mais sinon, c'est un truc de fou, on bascule en avant, en arrière, comme ça, on évolue dans le décor et non, franchement, c'est dingue. Il y a un truc que j'hésite à faire, c'est goûter la butter beer là, la bière au beurre de Harry Potter. Mais j'ai super peur de boire ça et de tomber malade ou de me choper une gastro ou un truc parce que ça doit être tellement chimique, genre. Du coup, j'ai trop peur. Et c'est dommage parce qu'ils vendent des petites cups avec, ils sont trop mignonnes. Mais bon, non, du coup, je pense pas que je vais en acheter. Je pense pas que j'achèterai de baguettes non plus parce que les baguettes, elles sont à 46$. Et il y a 46$ pour les baguettes Harry Potter. Et la carte du maraudeur, elle est à 46 aussi. Non mais je suis trop déçu, je voulais une carte du maraudeur. Non, du coup, je pense qu'on va finir sur un porte-clés. Et des trucs pour mes potes aussi, genre pour Morgane qui est fan d'Harry Potter, je pense. Et c'est tout. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est vraiment très cher. Voilà, mais bon, avant, je vais aller manger chez Cletus parce qu'ils ont du poulet frit et j'ai pas encore mangé de poulet frit depuis que je suis là. Et voilà, j'ai fait un petit tour à la taverne de Mo aussi. Tiens. Bon, je pense pas que vous allez voir, mais là-bas, toutes les petites maisons, en fait, c'est les studios Warner Bros. Donc c'est là qu'ils produisent les DC Comics, les Harry Potter et tout. C'est un truc de dingue. Oh putain. Et regardez, là, on a une énorme vue sur tout le faux Poudlard. C'est ouf. Et du coup, là maintenant, je vais faire le sweet tour. Donc ça, c'est le petit tram qui passe avec tous les dés où vous évoluez genre dans le décor, c'est tellement bien. Et j'aimerais bien le faire en espagnol, juste pour le fun. Je pense que je vais le faire en espagnol. Allez. Et en fait, c'est Jimmy Fallon qui présente le tour, c'est tellement bien, regardez la vue. Mais je pensais pas qu'on allait avoir une vue aussi ouf. Genre vraiment, c'est trop bien. Oh, je refais. Ah,
Universal Studios Hollywood. It's the place where you can ride the brand new Jurassic World, the ride. And next year you can come back and join us for our upcoming Secret Life of Pets attraction. But all of that theme park goodness was made around our movie studio, where we at Universal have been making movies for over 100 years. You can see some of our favorite movies here on these posters to your right hand side. We're still making movies at the top of our game. Our film Green Book won the Oscar this year for Best Picture. On your screens now is another one of our cars. That's Biff's car from Back to the Future. It's right next to the Ferrari on your left. Tram is a little large to fit up the stairs, so we're going to have to stay down here. But that's okay, because there is a ton to talk about here on Soundstage. Sorry, everybody. It's a trip. A lot here in California. This is starting to feel like more than just a trip. Everybody hold on tight. I think it's the big one. Car 3, watch out of your left incoming. Oh, well, that's something to worry about. It's just a gas truck on fire. Well, hey, this is pretty interesting. If you all look to the left-hand side, you can see the second floor on the soundstage. We weren't supposed to see it on the tour, but now we can. Of course, it's not going to be workable for the time being, so I'm truly sorry about this, folks. I promise we really do not anticipate it going this way ever on the tour. So I really do want to apologize to you all, and thank you so much for your patience. Bon, ça y est, je suis sorti du studio tour et c'était grave sympa, franchement, la simulation du Big One là et tout, c'était un truc de ouf. Mais grosse déception, fallait que ça tombe sur moi. En fait, moi j'avais celui de Fast and Furious, parce qu'il y a Fast and Furious Hong Kong vous avez des passages en fait en 3D et tout, avec des gros effets et tout. On est arrivé au truc de Fast and Furious et le mec, après, on a attendu avec une séquence et tout. Et là, il commence à dire, on a un problème technique, malheureusement, on va pas pouvoir vous montrer la scène en 3D. Voilà, désolé. Et du coup, on est revenu. Mais on a quand même vu des super décors. Enfin, je pense que vous l'avez vu dans les images. Genre, c'est un truc de dingue. Et il y en a beaucoup qui... Enfin, il y en a, c'est la grande majorité, c'est du vrai. Ça a déjà servi. Donc, comparé à Tram Tour à Disney à Paris, c'est waouh, c'est incroyable. Donc bon, voilà, je pense que cette journée va s'achever. En vrai, le parc ferme vers 22h, mais je sais pas trop. Je pense que je vais pas tarder à y aller parce que je commence à être fatigué un petit peu. Bon, j'ai la lumière sur la gueule, c'est normal. Je suis bien rentré. Je suis complètement mort. Genre, je suis un déchet, mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, c'est la fin de ce vlog à Universal Studios. Demain, je vais à Disney. Du coup, je vais refaire un vlog demain. Je voulais vous faire un haul là maintenant. Mais en fait, je pense que je vais tourner un haul en rentrant. En rentrant à Paris, je pense, directement. Parce que je risque encore d'acheter d'autres choses pour amener à Paris, donc ouais, du coup je ne pense pas vlogger, enfin je pense pas vous en faire un maintenant, mais je peux déjà vous dire ce que j'ai acheté des trucs Simpson, enfin bref, le haul va être assez cool. Voilà, pour ce qui est de l'état de ma caméra, je pense que vous avez suivi, enfin dans l'autre vlog, où j'étais avec Nishi en vélo, elle était à deux doigts de mourir, genre vraiment, enfin elle avait pris de l'eau à l'intérieur. Bon, là elle va mieux, mais il y a juste, vous savez, il y a deux clapets en fait sur l'objectif. C'est pour ça que j'arrête pas de toucher chaque fois comme ça l'objectif. Et il y en a un qui est resté bloqué, et l'autre qui se relève automatiquement. C'est un peu chiant, mais bon, c'est pas très très bon pour l'objectif. Mais l'objectif, de toute façon, il est déjà complètement niqué. Je pense que vous le voyez dans les vlogs, il y a souvent des petites. Quand je le remets, refais la lumière, ça se voit un peu. Mais bon, tant qu'elle filme, écoutez, c'est principal parce que je me vois pas filmer avec le réflexe et je me vois encore moins avec mon téléphone. C'est très très chiant à faire. Donc voilà, j'aimerais bien investir dans une nouvelle caméra pour vlogger, mais je vous avoue que là c'est vraiment pas le moment. Donc bon, on verra bien. Bref, c'était un parc en tout cas qui était dément. Genre vraiment, c'est un parc dément, c'est vraiment une chose mais à faire absolument si vous venez à Los Angeles et à Universal. C'est, ouais, non franchement c'est à faire. L'attraction Jurassic World, elle était, mais
Ah mais j'en ai pleuré, enfin c'était dingue. Je voulais la refaire et il y avait plus elle a fermé hyper tôt, je sais pas ce qui s'est passé. Mais quand j'ai voulu la refaire en fin de journée, elle était déjà fermée. J'étais dégoûté parce que vraiment je voulais la refaire. L'attraction des Simpsons aussi, c'était dingue, je m'attendais vraiment pas à ça. Genre c'est vraiment assez intense. Enfin tout est vraiment genre intense, la momie c'était waouh. Enfin tout c'est... Et je crois que pour Disney demain je suis pas prêt. Genre vraiment parce qu'il y a des trucs vraiment qu'il y a à Disney qu'on a ici, qu'on n'a pas en France. Et waouh, c'est incroyable. Genre vraiment, je m'en remettrai jamais de ce voyage je crois, c'est ouf. Bref, voilà, je quitte ce vlog maintenant. Et bah, je vous dis à plus pour un prochain vlog. Bye bye.